Premièrement, c'est pas mon fils, ça c'est sûr et certain. Mais de toute façon, j'ai pas de fils. Donc c'est sûr que c'est pas... j'ai pas écrit ça pour mon fils, ça c'est sûr. Puis après, est-ce que je me suis fait intimider? C'est déjà arrivé, mais je veux dire, ça m'a pas marqué plus que ça. Je pense que pourquoi j'ai écrit le texte fiston, c'est parce que l'intimidation, c'est un sujet qui me touche. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça, c'est quelque chose que je n'aime pas voir. Puis j'avais des choses à dire par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai le texte fiston, tout simplement. Je pense que quand on a des choses à dire par rapport à un sujet, ben, ça vaut la peine d'écrire quelque chose là-dessus. Prendre le temps d'écrire un beau texte. Je pense que mon intention à travers cette vidéo-là, c'est que le public, le spectateur, pense que il est mort et ça va pas bien. Finalement, à la toute fin, ah ben, ça va bien. Finalement, il y a. Moi, j'étais full stressée. Mais c'est ça. C'est un peu l'objectif. Et finalement, tu sais, un soulagement. Ouais. C'est ça. Ça veut aussi dire que tu en es sorti aussi. Il était en mesure de s'en sortir. C'est une autre manière de voir la chose. Donc, je suis content que vous l'ayez vu. Oui. Beau vidéo. Parfait, donc on va continuer.